Et salut mode, salut à tous, bienvenue pour une suite de Let's Play d'Azuras. On était donc en plein milieu de l'affrontement avec Vlitla, donc la déesse de l'impureté. Et on va voir ce que Azura va nous faire. Azura qui passe tranquillou à côté de tout. Elle veut manger le caillou. Yasha! Et là, je présume qu'on va avoir une série de QTE, je crois. Alors c'est Azura son parrain, je vous rassure, c'est pas Yasha. Donc là elle va essayer d'apporter le maximum d'énergie à son père, un peu comme comme Son Goku ferait avec le Genkidama. Elle va générer de l'énergie mantra à l'intérieur d'Azura pour pouvoir lui régénérer un peu ses cellules, le rebooster et lui offrir l'ouverture de toutes ses capacités. Et donc là, Azula, le dieu aux six bras, le dieu de la destruction. Azula Sadvajor. Donc là, en mode Azura, l'avantage c'est que quand par exemple vous tirez donc des arbres devant vous, vous allez tirer des arbres plus avec deux mains mais avec six mains. Donc vous allez pouvoir tirer beaucoup plus rapidement, vos coups de poing font beaucoup plus mal. Et vous allez pouvoir débloquer ce mode de combat pendant les combats au corps à corps. Donc ça c'est sympa. Bon, j'ai rien raté. Hop, écoutez. Je vais faire un petit peu de trucs. Allez, là en fait vous avez le cercle qui se resserre sur le bouton. Plus vous êtes proche du milieu, on va dire plus vous êtes proche de la taille du bouton normal, plus en fait vous allez faire de dégâts et vous allez avoir une bonne note. Donc là on a eu deux excellents, on a eu un super. C'est dommage parce qu'on n'ait rien raté depuis le début. Donc je suis pas sûr qu'on ait un S en scoring de finale. L'avantage c'est comme on lui a bien fracassé le crâne, ça l'oblige à re-rentrer dans ses dans son cocon.
Mais même si c'est un jeu de 360 et qui date un petit peu maintenant, graphiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique encore. Bien La sûr. charte graphique et le style, le skin du design, vraiment, je trouve ça super beau. L'effet de. Comme si en fait c'était des personnages coupés en fait dans l'argile, vous avez des effets d'impureté sur le visage et tout, je trouve ça super beau. Les effets d'ombre, les effets de dessin comme ça, vraiment, un peu comme cel-shading, quoi, vraiment dessiné à la main, je trouve ça super beau. Et vraiment, c'est le genre de jeu, je trouve ça magnifique. Si vous avez des jeux comme ça, indé ou dans le genre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'irai jeter un oeil, c'est vraiment le genre de jeu que j'adore, quoi. Sutra 1, une nouvelle ère terminée. Et donc on s'en arrête là pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites péter le pouce bleu, faites péter la barre des likes, et je vous dis à la prochaine vidéo. Hop là.